Yes sir, Frank Dussault Fishing. Avec le succès de la pêche la semaine passée au lac Boisvin, on a décidé de recommencer ça. La différence cette semaine, c'est que on pêche en kayak. On va essayer d'aller chercher les poissons qu'on n'avait pas accès la semaine passée. Fait que j'étais encore en compagnie de Mathieu Fell, mon éternel coéquipier qui est en train de snaguer son kayak dans l'eau. Puis c'est un départ. Mon embarcation, la sienne, on met ça à l'eau. On met ça à l'eau puis on y va. On va aller vous pogner des poissons. J'en ai un. Yeah! Une grande bouche, mais il est pas gros. Hey man, c'est barely hook là. Yes sir, ça commence. Only 10 minutes fishing. Not even 10 minutes fishing. And a great release. Merci, bye. Bah ouais. Oh, mais non. Je l'ai manqué. Ouais. Ouais. La X, elle l'a tué mon gars, mais je rilais parce qu'elle me manque un petit stylo. Hein. Ah ouais? Ok. Ouais, ben, on s'est solidement fait prendre par la pluie. Ça s'est mis à mouiller en fou, puis le vent s'est levé, fait que. On a arrêté de pêcher en kayak, là. Par contre, évidemment, comme à chaque fois qu'on prend la décision d'arrêter de pêcher, le temps qu'on ramasse notre stock, qu'on serre les kayaks, puis tout, la pluie s'est relativement calmée. Fait que je vais aller chercher deux plus jeunes, là, ils pêchaient, eux autres aussi, en même temps que nous, là, ils pêchaient en canot avec quelqu'un d'autre. Fait que je vais aller chercher deux plus jeunes, puis on va aller s'essayer un petit peu du bord à la même place qu'on a pêché la semaine passée, parce que il y a quand même pas mal de petites bouches là-bas, puis on a peut-être la chance de sortir encore une coupe de poissons pour vous faire une belle présentation. Fait que je m'en vais les chercher, puis je vous reviens avec ça. Bon, fait que je suis allé chercher les gars. Ouais.
Puis on s'en va se réessayer à petite bouche là, ça va sûrement être meilleur que tantôt. Il mouille pas mal moins. En fait, t'es mouillasse. C'est le même petit spot que la semaine passée. Moi, j'aime bien ça pogner du poisson, si j'en pogne pas, on va essayer de trouver un spot où ce qu'il y en a. Puis on va aller faire une coupe de cast. Yeah! Vraiment, tu pêches doucement. T'en as un autre. Faut-tu laisses descendre ton leurre droit dans le fond. Puis après ça, tu ramasses doucement en laissant ton leurre traîner dans le fond. Oh, il est beau celui-là. Yes, sir. Ça, les amis, c'est du beau poisson, hein? Petite photo. A nice release. Bye bye. Ah, tu sais, tu m'as fait faire le saut. Non, mais il y a de la place pour deux, certes, là. Je sais pas si c'est moi qui fais le cheval ou si c'est le... Ou si c'est la... Non, mais moi, là, je suis vraiment dans le fond, là. Là, je ramène, je fais juste faire ça de même. Je ramène le lousse. Tu le laisses au fond. Attends. Attends, attends, attends. Mais je sais, j'attends que le fil ne bouge plus pendant. Ah, mais non, ça, tu peux fermer ton reel, là. Là, ton fil fait juste caler dans l'eau, là. Amène, là. Je vais remonter de même un petit peu. Doucement de même. Hey, voilà. Ramène, ramène, parce que je vais pogner ton fil, là. Tu vas prendre une belle photo de moi, s'il te plaît. Oh, hey, il est beau, lui. Oh, yeah! La corde là, comme faut ta photo, là. Merci.
Travail poisson. Approche homme. Faut vraiment que tu sois super délicat dans ta pêche là. C'est ça que le poisson est capricieux. Là. Ah ouais, encore deux, trois lancés là. On commence à te mouiller pas mal. Là. Ramène, et loin que je suis en train de me mêler dans ta canne. Quand quelqu'un pogne un poisson puis tu pêches direct à côté, tu ramènes. Oh, il veut pas, lui. Il est gros. Oh, il est gros. Yes, sir. Tu vois les couleurs là-dessus? Ils sont foncés au bout. Yes sir, on est de retour à la maison. Fait que comme on vous l'a mentionné puis que vous l'avez vu là, t'allais pêcher. On a changé de spot en fait parce qu'on s'était fait prendre par la pluie quand même assez solide ce matin. Puis ça m'a permis quand même d'attraper quelques achigans supplémentaires. Par contre, je me suis fait prendre à nouveau par la pluie une deuxième fois, puis cette fois-là, j'étais pas bien mouillé, c'est pour ça que je me suis changé aussi. C'est ça, fait que... Quand même satisfait de la journée de pêche, à part le fret puis la pluie, ça a quand même bien été. Ce matin, on aurait pu attraper pas mal plus de grandes bouches. Si c'était pas de la pluie, quand il a commencé à mouiller, ça l'a arrêté complètement. Mathieu en a pris 5, moi je n'ai pris un, puis tantôt, j'en ai pris 6 autres achigans, fait que c'est quand même pas si mal. Puis, c'est ça. Fait qu'on s'en va bientôt. On va retourner pêcher. On s'en va bientôt. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, juste ici en bas. Puis, continuez de pêcher. Sur ce, bonne semaine. Salut!